Allô, Michel Pichette? J'ai failli exposer là, là. Oh my god. J'ai mal dit. Allô, Machel? 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 Ouais, c'est toi, madame. Ah, Machel Pichette? Hey, madame, commence pas à me faire de l'attitude, là! C'est Hawk! C'est Hawk! Hey, madame, là, arrête de me niaiser, madame. On a travaillé à Electrolux ensemble avant. Attends un peu, là. Attends une minute. Qu'est-ce que t'as? Attends une minute. Hey! Quoi, oui? Non, c'est Hulk qui est bien, mais ça te plaise pas. Oui, je sais, mais ça te plaise pas. Hey! Ben, à un moment donné, tu t'en sais pas dans l'usine, là. Moi, tu sais, moi, j'avais pas les mains dans mes poches, mon homme, là. Tu sais, moi, tu pouvais pas me regarder, non, là. Non, 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 non. Non, 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 Bon, ça mais. te plaise pas, OK. La Bon, je vie. te prends, ça va, salut! Hey! Au revoir, madame! Madame? Aïe! Ouais, allô? Les bières. Ouais, moi, tantôt, passé dans les fruits et légumes, dans le Canadien Tire, puis un de tes employés n'a pas été gentil avec moi. Comment ça? Ben, tu sais, j'étais en train de magasiner un vélo pour mon hun. T'sais, pis, ben oui, t'sais, est en train de démonter la roue, pis t'sais, il a commencé à crier après moi. On est désolé que c'est. Non, mais t'sais, il disait, il peut pas démonter la roue, mais t'sais, moi, c'était juste pour voir si c'était une roue qui roulait bien, mon homme. J'ai pas compris, ça a coupé un peu la ligne. C'est, t'sais, moi, j'ai démonté la roue juste pour voir si c'était une roue qui roulait bien, mon homme. Puis il a commencé à crier après moi. Tu sais, moi, je suis sensible dedans mes oreilles. OK. Ça, c'est aussi au Canada Tire du 30, ça? Ouais, c'était dedans où est-ce que les fruits puis les légumes à côté des vélos. Ça, c'est les jeunes, hein? Ben, tu sais, moi, j'étais juste en train de démonter les roues parce que moi, j'ai reçu un gars manuel. Tu sais, puis il a commencé à crier après moi. Oui, C'est que. vous voulez parler sûrement aux gérantes, peut-être, parce que Ben, c'est comme, tu sais, reçu un peu blessé. Moi, c'est sûr que si tu peux me passer quelqu'un, tu sais, ça fait comme 15 minutes que je pleure dans mon auto. je peux vous penser à quelqu'un qui peut prendre soin de votre situation, c'est vous? Mais oui. Juste donnez-moi un instant. Mais oui. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben oui. Puis il était fou, genre. Ouais, allô? Ouais, appel pour l'horloge de grand-père à vendre. Il est-tu négociable? Tu le donnes? Oh, ben, tu sais, moi, je suis prêt à descendre jusqu'à 10 $, mon homme. Non, non, mais pas. Moi, je suis sérieux, mon homme, là, tu sais, je suis prêt à nettoyer l'acheter aujourd'hui. Ben, y est-tu négociable ou non, là? Le hen? Y est-tu négociable ou non, le hen? Ah, mon homme, mais je crois que ta bouche est proche de ton téléphone, je t'entends pas bien. Toi, t'as une horloge. Moi, là, je sais pas. Mon budget il est pas tant gros, là. C'est je vois à 10 $ ou rien. T'sais, tu te l'ai dit, madame. Je vais pas en bas de 10. Ben, aujourd'hui, je peux pas. Je dois aller me faire couper les ongles.
moi, il appelait juste pour négocier en premier puis voir s'il n'y a pas moyen de l'acheter moins cher parce que, mon homme, c'est un prix de fou, t'as mis là. Bonne journée. Ben, on comprenait rien, qu'est-ce qu'il disait. C'est justement des cosmétiques, Marilyn, un appareil, comment je peux vous aider? Ouais, allô? Ouais, tantôt, moi, il passait dans l'allée des cartes de fête. OK. Puis, tu sais, moi, t'es en train de regarder les cartes, puis là, il y a un de tes employés, il m'a regardé tout croche, mon homme. Là, moi, tu sais, pas fait en bois, moi, j'ai commencé à m'échauffer, puis là, il a fallu m'en aller, mon homme. J'allais donner des coups de poing dedans le vent. OK, juste un instant. C'était... Non, non, hey, mon homme! Oui, parce que je suis pas la bonne personne à qui vous dites ça, là. Oui, mais moi, tu sais, on peut pas me manquer de respect comme ça, tu sais. Moi, j'ai fait l'armée, puis, tu sais, on doit respecter mes droits. Juste un instant, je vais vous transférer à quelqu'un d'autre. Mais oui. Comment vous voulez? Ouais, allô? Ouais, moi, tantôt, j'ai passé, j'étais dedans l'allée des cartes de fête. Pis là, il y a un de tes employés, il m'a regardé tu croches. Ah? Il y a un de. J'étais dedans l'allée des cartes de fête, pis un de tes employés m'a regardé tu croches, madame. Là, moi, hey, j'ai commencé à m'échauffer un peu, là. Vous êtes passé à quel moment? Ça fait peut-être une heure, là. Il a fallu que je prenne le temps de respirer dedans mon auto, parce que moi, il allait vraiment donner des coups de poing à un moment donné dans le vent. Ben, il y avait des cheveux noirs. Mm-hmm. Puis, ben, tu sais, là, vite de même, ça s'est passé tellement vite, mon homme. Moi, tu sais, il faut pas t'oublier, tu sais, moi, j'ai déjà été un sergent dans l'armée, tu sais. Okay. Tu sais, j'ai des droits de me faire respecter. Tu sais, moi, il faisait juste regarder pour les cartes de fête. Oui, j'en ai mis deux dans ma bourse. Ah, est-ce que vous les avez payés, finalement? Non, non, je les ai juste mis dans ma bourse. Vous n'avez pas payé? Pardon? Ouais, t'es un peu fâché encore. Non, c'est parce que... Ben, j'étais fâché. J'ai pas payé, je suis parti parce que moi, j'allais pas pogner les nerfs. Ah, ben, peut-être que c'est pour ça qu'ils vous ont regardé de cette manière-là, parce qu'ils pensaient que vous alliez voler. Ben, comment tu veux revoler des cartes de fête dans ma bourse? Vous les avez payés finalement ou non? Non, moi je me suis promené puis je lui ai dit, il y avait l'air bonne. Il y avait des gâteaux de fête dessus la carte. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour vous dans ce cas-là? Ben c'est sûr, tu sais, je me suis senti manquer de respect. Tu sais, moi, tu sais, je me suis forré, mais après ça, j'aurais été pleurer, mon homme. Tu sais, moi, je suis pas venu au Rancoutu pour pleurer. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça que. Tu sais, si mettons, revient, est-ce que ton employé peut se mettre à genoux devant moi? Audrey, ouais, allô? Oui? Ouais, appel pour les rues vidéo pour mon hun. Ok. Tu sais, moi, je connais pas ça, les rues vidéo. Je connais un peu le Tendo, mais tu sais, c'est pour y acheter des rues. Je t'entends vraiment mal. C'est pour acheter des rues de Tendo à mon hen. Ok, mais tu peux passer en magasin si on va regarder ça? Ben, là, peux-tu te poser des questions, madame? Oui. Tu sais, c'est sûr que moi, je connais pas vraiment ça, les rues vidéo, mais tu sais, mon hen, il roule beaucoup à ça, puis il dit que c'est très le fun. Toi, est-ce que tu penses que c'est le fun, les jeux vidéo? Oui, sinon je travaillerais pas ici. Ça, c'est une bonne question, hein, mon homme? Toi, là, tu penses-tu que je devrais aussi acheter un porte-clés pour mon hen? Ben, tu vas pouvoir voir en passant en magasin. C'est un porte-clés avec des jeux vidéo, hein? On a des manettes, on a du stock de Star Wars, on a vraiment tout en magasin. Avez-vous des cigarettes électroniques? Non,
Ça, il n'y en a pas pour moi. Non. Une bonne cigarette. Vendez-vous des paquets de cigarettes, sinon? Non. Sinon, t'as-tu des rues de Nintendo? On a des jeux de Nintendo, on en a plusieurs, mais seulement pour Nintendo Switch. Sinon, j'ai aussi du 3DS en magasin. Mais il faudrait vraiment que tu passes en magasin pour garder la sélection qu'on a. Puis, vendez-vous du tabac à rouler aussi? Non. Puis, des cigarettes électroniques, ça en avez-vous, mon homme? Ah, juste raccroché. Mais je serais sûr de win des games, genre des cigarettes. Ah, tu as demandé genre trois fois, mec. Allô? Ouais, allô? Oui, vous m'avez appelé tout à l'heure, monsieur, j'étais dans un restaurant à propos du quadriporteur. Ah, mais oui, madame, tu sais, c'était à toi que j'ai parlé de mon band de musique que j'avais avant. Ouais, mais c'est quoi, c'est le band de musique? Qu'est-ce que ça a d'affaire avec un quadriporteur? Non, non, mais t'étais juste pour expliquer que j'étais tout haut debout, moi, avant. Puis là, maintenant, j'ai besoin d'être assis, madame. Ah, OK. Ben, tu viens-tu loin parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a appelé? Ben là, il t'a appelé pour te dire quoi? Ben, il s'en vient. Il y a quelqu'un qui va venir le voir, là. Mais oui, mais mon homme, là, moi, je suis en plein dans une partie de Monopoly avec ma bonne femme. Ah, bon, ben, OK. Non, mais tu sais, on est... Je vais avec ton Monopoly, puis moi, je vais le vendre à quelqu'un d'autre. Hey! Non, mais madame, j'en ai pour deux heures maximum, là. Bon, ben, tu me rappelleras. C'est là, je suis sur l'avenue de la Bonté. OK. Puis la bonne femme a trois hôtels dans le coin de la rue. OK, parfait. Merci. Penses-tu que je devrais sortir de la prison avec les dés, toi? Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Okay. Merci, bye bye. Allô? Ouais, allô, Pierre? Oui. Ouais, cet article est au disponible, mon homme. Il y a quoi? Est-ce que l'article est au disponible? Bon. Le quadriporteur? Oui, 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 oui. Ouais, il est au disponible? Non, c'est un autre, celui-là. Ouais, parce que, tu sais, oui, il est vu dans l'annonce que c'est jamais sorti l'hiver. Ouais. C'est mieux d'être vrai, mon homme. Moi, j'ai ben les non. yeux pour voir quand il y a de la neige ou il n'y en a pas. Ouais, mais il est flambant neuf, celle-là. Là. Flambant neuf, celle-là? Ben, viens le voir, là, ça vaut la peine. Mais ouais. Toi, t'habites dans quelle ville, mon homme? C'est Répentigny. Ben, voyons! Pas fort, mon homme? Hein? Pas fort, mon homme? Toi, veux-tu venir la voir? Ben, ouais, ben pas, tu sais, des questions avant, mon homme, tu sais, j'aimerais ça te... Tu sais, moi, t'sais, j'ai jamais utilisé... Y a-tu un guide d'installation? D'utilisation? Oh, c'est facile, hein? Mais oui. Tu peux tout trouver ça sur l'Internet. Y a-tu des pédales? Des pédales? Ben, si, mettons, il manque de batterie, on peut-tu pédaler? Ah oh non, tu manqueras pas de batterie avec ça, c'est des 100 ampères. Mais oui. Puis, tu sais, moi, tu sais, la raison pourquoi j'ai besoin de ça, c'est parce que j'avais un groupe de musique, moi, avant. Oui. J'ai été beaucoup debout, moi, dans ma vie. Oui. Mon groupe de musique, il s'appelait Sucre à crème et fleurs de lys, mon homme. Bon. Ben oui, et le Québec de tatouer sur les mollets, mon homme. Puis, j'ai bien plaisir à t'entendre, je vais te passer mon genre et pas pouvoir te parler. Mais passe-moi les, mon homme. Oui. Ouais. Moi, oui. Ben, t'es en train de dire à ton papa que moi, j'avais un groupe de musique, mon homme, avant. OK. Ça s'appelait Sucre à crème et fleurs de lys. Puis, comment tu dis ça, ce que? J'avais un groupe de musique, ça s'appelait Sucre à la crème et fleurs de lys. Pis pour moi, il a toujours été debout. Tout haut, mon homme! OK.
T'sais, moi, c'est sûr que besoin de masser des fois en avant, ça, t'sais. Ok, tu veux-tu venir le voir ou? Ben, j'aimerais ça venir le voir, mais peut-être pas aujourd'hui, t'sais, faut que j'aille tendre mon gazon. Ok. Toi, tu penses. Hein? Oui, excuse, vas-y. Toi, là, tu penses-tu que je devrais aller faire couper mes cheveux ce soir? Ben, je sais pas, là. Tu sais, les cheveux dans le vent. Bon, ok, bye. Bonne journée. Bienvenue chez McDonald's, avez-vous l'application pour accumuler des points? Ouais, allô? Oui? Ouais, m'a de prendre deux factures, madame. Pardon? M'a de prendre deux factures, madame. Ok. La première facture, ça va être 3 rugnards au poulet. La deuxième facture, ça va être, tu sais, le sandwich avec la viande au milieu. Le sandwich avec la viande au milieu? Ouais. Un burger? Mais oui. Un burger? Mais oui. Celui avec le hamburger double. Ok. Puis avec un rugnard au poulet aussi, madame. Parfait. Tu sais, tu trouves-tu qu'on a eu un bel été? Très beau. Merci. Elle était vraiment gentille! Okay, ça l'a gardé son calme! En tout cas, on a une belle été, mais très beau! Hey, tu l'as poussé en plus, là. Oui, allô? Ouais, allô, Rand Thomas? Oui? Oui, c'est Hawk. Oui? T'es... Ouais, c'est... T'sais, l'autre fois, j'étais venu à ton spectacle, pis tu... À un moment donné, tu m'avais donné ton numéro. Puis revois aussi porter mon hand au hockey, puis je t'ai dérevu. Ok. Je j'écoute. C'est. Ben, tu sais, on s'était souvent dit allô, puis, tu sais, après ton spectacle, moi, je t'avais dit que tu étais bon. Ouais. C'est des mots sympathiques à entendre. Tu sais, c'était juste pour te dire que je t'appelais pour que tu me dises merci parce que, tu sais, moi. Sans mes encouragements, tu n'aurais pas la carrière que t'as, mon homme. Non, c'est ça que. C'est ça que tu es assez crucial dans l'équation. Et tu sais, j'aimerais te. Tu sais, je voulais juste te dire ça, puis je voulais te dire que, tu sais, moi, je suis un beaucoup grand fan, puis, tu sais, c'est sûr que. Tu sais, j'aimerais ça que tu laisses des chances au hockey à mon hand aussi, des fois. C'est juste de comprendre, j'arrive pas à trouver, mais. Ben, c'est Hawk, mon homme, tu t'en souviens pas, tu sais, il est revu dans le vent. Ouais, est-ce que t'es en train de rire? T'es pas en train de rire de moi, Laurent Thomas? Non, jamais. On rit ensemble, là, dans le sens que j'essaie de. C'est parce que moi, là, je suis dans le parking de l'église. Là, je m'en vais prier, mon homme. Ok, ben écoute, je te souhaite une bonne messe. Oui, là, tu penses-tu que je devrais commencer à chicaner mon hen un petit peu plus? Non, je pense que ton autorité est suffisante, puis faut pas que tu te mettes trop de pression. Faut que tu suis tes feelings de papa. Bon, ben merci. Puis tu sais, je voulais juste te dire que, tu sais, mon homme, ça fait plaisir de t'avoir donné une carrière, tu sais. Oh non, mais je sais que la première personne de qui je suis redevable, c'est toi, fait que je te remercie encore pour ça, puis je te dois la lune. Mais non, mais merci, je te souhaite une bonne journée, Jacques, puis prends soin de toi, puis bonne chance à l'église. Je t'aime beaucoup, Rand Thomas. Merci. Moi aussi, bye-bye. Bonne journée. Bonjour.
my god! Oh my god! Hey, ouais, puis je l'ai fait rire en plus! Hey, il est donc bien sympathique! Ah oh, ouais, vraiment, il était vraiment gentil. Je me sentais pourri, je me suis vraiment senti mal. Vraiment, 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 là. Aïe! Aïe, aïe, j'avais toujours le goût de dire, genre, je t'aime, Antoine, mais je suis vraiment. Aïe, aïe! Tout cassé, man. Oh, non. Ouais, allô? Pardon? Ouais, allô? Ouais, moi, j'ai repassé hier faire mon épicerie. Pis, moi, j'ai repassé dans les allées, t'sais, ramasser des biscuits, ramasser du thon, ramasser des céréales pour mes hens. Pis, rendu à la caisse, t'es arrivé à me demander la madame si je voulais des sacs. Moi, pas un cas, j'ai dit oui, t'sais. Là, après ça, pogne les sacs. Là, je crie dedans le sac. La madame, elle commence, elle appelle la sécurité, ils m'ont sorti. Ils m'ont sorti, il était trois, mon homme. Ok. Moi, j'ai juste, tout ce que j'ai fait, c'est crier dans un sac. Okay. Tu sais, c'est comme vous, moi. C'est pas là, monsieur, vous voulez quoi? Ben moi, tu sais, c'est comme, je fais ça depuis que je jeune, crier dans les sacs. Tu sais, c'est une tradition, mon homme. Ok. Ben, faut peut-être faire ça en dehors du magasin. Droit de faire ce que je veux, madame. Pourquoi il m'a sorti rien que pour ça? Il y en a, il était trois, madame. Ils m'ont tiré par le bras, puis il y en a un qui m'a accroché le paquet. Ok. Ça se passe à quelle heure, ça? Bon, tu m'en souviens pas. Il était peut-être 1h de l'après-midi hier. Ben, moi, j'étais là. Il n'y a rien qui s'est passé. Vous êtes sûr que vous êtes dans le bon magasin? Mais oui. Oui, parce que moi, j'étais... Ben, non, mais peut-être me se tromper d'heure. Si, mon homme, là, tu sais, moi, je suis pas en train de regarder l'heure quand je crie dans les sacs. Ben, je veux savoir, c'est pas moi qui m'a fait rembourser, tu sais, il y en a un monsieur, il m'a craché le paquet. Ok, ben, revenez avec la facture, on verra ce qu'on peut faire. La facture de mon paquet? Oui. Ben oui. Puis, tu sais, c'est parce que moi, pourquoi me faire sortir quand j'ai crié dans les sacs? Monsieur, j'étais pas là, donc je peux rien vous dire par rapport à ça. J'ai crié très fort, mon homme, mais tu sais, j'ai bien le droit de faire ce que je veux. Pas forcément, monsieur, on doit quand même respecter les gens qui sont autour, donc on fait quand même attention à ce qu'on fait. Mais oui, mais mon âme est bien droit d'écrire où est-ce que je veux, là, tu sais, c'est une tradition. N'est pas vous plaindre après que quelqu'un vous a sorti, monsieur. Hey! C'est une tradition familiale, mon âme. C'est une tradition familiale? Ben, faites-la chez vous, là. Oui, mais je peux pas m'empêcher, moi, quand on me donne un sac d'épicerie, d'écrire dedans. Ben, n'en prenez pas, là, comme ça vous criez pas dans votre sac. Ah, hey, madame, le t'es en train de me faire pogner les nerfs. Moi, je suis en train de vous faire pogner les nerfs, mais je crois que vous êtes en train de me faire perdre mon temps, monsieur. Hey! Là, il serait temps là, qu'on vienne se dire un beau allô. Bon, vous avez fini? Mais oui. Ah, bonne journée. Bonne journée. Il était vraiment mieux, celui-là. À cause de sa réaction. Oui, sa réaction, exactement. Elle a pogné les nerfs, puis c'est vrai. Hey. Mais non. Allô? M'entends-tu bien, là? Oui. Bon, pense qu'on n'était pas sur la bonne ligne, madame. J'espère. Hey, moi, j'appelle pour des informations sur les articles de père. Oui. Ouais, moi, tu sais, c'est pas pour moi, c'est pour ma bonne femme, tu sais. Là, elle est en train de faire la vaisselle, mais elle a besoin d'une nouvelle ligne. OK. Tu sais, moi, je connais rien là-dedans, là. Tu sais, moi, la père pour les femmes, madame, là. Pis, ben, tu peux-tu, tu vends quoi? Tu vends-tu tout? Tu vas voir sur mon site web, c'est ça qui va être le plus simple. Ben, moi, j'ai entendu, c'est un des clients à toi qui m'a dit que tu vendais bien des affaires, pis il m'a dit que le service était excellent, madame. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas hésité une seconde, là. C'est qui le client? Il s'appelle Bruno. Bruno? Oui. Pis, tu sais, dans le fond, vendez-vous des bonnes lignes? Oui. Parce que moi, tu comme t'as dit, c'est pas pour moi, c'est pour ma femme, tu sais, pis c'est parce que Monnaie aimerait ça qu'elle ramène du bon poisson, là, tu sais, Monnaie, elle revient, elle dit, elle riole, tu sais. Tu sais, moi, dans ce temps-là, pas content, moi, dans ce temps-là, mon homme, tu sais, je pogne les nerfs, ouh, hey. Ouais, ouais. Hey. Toi, tu penses-tu que tu peux m'aider? Penses-tu que tu peux m'aider, moi? Ben, le mieux, c'est de faire, c'est d'aller sur mon site web, puis check les liens que j'ai.
Ben oui, mais mon homme, là, il n'y a personne à qui parler, tu sais, ça faisait longtemps, elle n'aurait pas parlé au téléphone. Ouais. Penses-tu que tu peux m'aider avec les crochets aussi? Ouais, sûrement, tu vas voir si c'est toi, c'est là. Là, là, t'as demandé d'arrêter de crier après moi, mon homme, là. Hey! Toi, tu viendrais-tu avec moi à la pêche? Ben, c'est pas, non. Ben, pas avec moi, mais avec ma femme, mon homme, là. Oh my god. Vous riez de moi, là? Non, non, pas mal, hey, mon homme! La dernière fois qu'un messier a ri de moi comme ça, là, hey! T'es allé en prison pour deux jours, mon homme. Bon, ben, moi, aller promener mon chien, je crois. Ah ouais, ça sort, puis tu vas checker mon site web. Moi, aller le checker, mon homme. Mais tu sais, comme t'as dit, tu sais, moi, la pêche, je trouve, c'est pour les femmes, mon homme. OK. Bon, ben, te souhaite une bonne journée. Mais oui. Eh, mais je pense que quand même, bon, il est pas. Mais oui. Il a quand même, comme, il jouait qu'il était pas sûr. Genre, il pensait que ça s'est niaisé. Je pense, je suis pas sûr, c'était.